Bueno, sí. Bon les amis, on est au circuit de Nogaro pour l'étape 2 du training pour le GP Explorer. On suit un petit peu le championnat de F4 cette année. Donc comme ils ont roulé ce week-end ici pour les Coupes de Pâques, où j'étais d'ailleurs, c'était très très cool. Du coup, on en profite pour faire aussi nous aussi notre deuxième training à Nogaro. Là, on vient d'avoir un petit cours pour reprendre un petit peu les bases. Et là, on va aller, je suis groupe 2, il y a le groupe 1 qui est parti faire un petit tour du minibus, du circuit. Après, ça va être à nous. Et cet après-midi, roulage. Ça va être trop, trop cool. J'ai déjà roulé ici, en Formule Renault, il y a genre un an et demi, avec CD Sport. Donc, petite base. J'ai fait un peu de simu la semaine dernière. Mais j'appréhende un petit peu. Mais ça va être cool. Je pense que ça va être... je vais travailler de ouf mon dégressif, ce qu'il le faut. Et je pense que la fin de ligne droite va être plutôt cool pour ça. Donc, grosse journée aujourd'hui. Grosse journée aussi demain. Et puis... histoire de se rapprocher de la victoire. C'est vrai? Depuis l'année dernière, je déteste. J'ai toujours fait des meilleurs temps que ta machin. Il est tout le temps dans mon coin. Mais c'est pas en question de temps là, je pense. Mauvais, il y a des, nouveaux. Ça, talent, il a fait. Oui, oh, non, je fais tous les cracks parce qu'il sait direct qu'il est. qu'il va être derrière. J'apporte très peu de contenu, mais après, ce Red Bull. Je vais vous donner. Je suis pas avec un cadreur, c'est fou, je fais rien là. S'il ouais. Casse une voiture, au moins ça nous enlève tous le truc. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Pierrot, et c'est pas con. Pas con. Sors ça toi, Lucas. Je te mets pas l'œil, hein, mais. Faut que ce soit quand même lui, quoi. On est mort, on est mort. On est mort. Il a entendu, il a tout entendu. On est viré, elle est enchaînée. Qui se marie? Tu me maries avec qui? Moi je sais. Attention, extrait de ce que je viens de dire, maintenant. Premier drapeau rouge, non, mais je pense qu'il y aura deux murs. A mon avis, il y aura au moins deux murs. C'est énorme, deux murs. Ouais, c'est énorme, mais je pense. Mais c'est normal quand t'es débutant, même nous qui avons fait le GP1, tu sais, tu testes tes limites et tout. C'est normal de faire des petits bacs, tu vois, qui est genre pas trois gars qui fassent un bac, c'est normal. Mais je vois bien qu'ils ont pris leur Hans et pas moi. Bon, là, on va faire les réglages sur les voitures. Je suis la voiture numéro 12, t'as pris ton Hans? Donc ici on est sur un moteur. Non bah non, parce que j'ai pas les caractéristiques en tête. On est sur un super châssis. 100% Mégane, 100% Manicourt, 100% terroir. Tout ce qu'on aime. Ouais moi j'y vais. Je me casse. La grosse consigne, c'est pas de vibreur. Ouais, et ton dégressif. Et dégressif. Ouais, ça devrait aller là. Fais attention, tu vois, faire ton comme ça, s'il est à l'intérieur comme ça. Ouais. Fais attention, il est un peu dangereux. Il est piégeux. Ouais. Il se croise souvent non, parce c'est que un c'est par une petite portion. Ah, c'est un par un. Ce que je me disais, c'est une petite portion, il y a beaucoup de gens qui ont. Là, ça va aller. C'est ton heure de gloire. Waouh, là, ça va. Là, on va briller. Ah, t'es obligé. T'as plus le choix maintenant. Dégressif. Il a débranché. Non. Donc tu vas rester encore dessus. Bah non, mais c'est pas ça qui est besoin. Pourtant, tu sais ça. Ah oui. Petite pression, hein. Petite pression. Non, j'ai pas eu peur. Non, t'as pas eu peur. Mais
Bah, et moi, c'est ce que j'ai fait au deuxième. J'ai juste bloqué la roue, les deux roues avant, et j'ai relâché tout de suite. Et après, tu laisses aller en ligne. Et le reste du le premier secteur, ça va. T'avais déjà roulé à Nogaro? Ouais. J'en viens avant qu'il y a quoi. Pourquoi? Parce que moi, l'intérieur là. Ouais. En fait, sur le simu, je me suis retournée à chaque fois. Du coup, maintenant, dans ma tête, je me dis putain, lui il est chaud. Alors, ça tombe. Non. Faut laisser les émotions à la porte. Parce que si tu pilotes avec les émotions, là, c'est exactement ce que tu vas faire. Donc, non, on va faire ça. C'est méthodique. Accélérateur. T'as fait le débrief avec ton ingénieur? Non, mais elle est là. J'ai vu ta voiture était genre qui frôle. C'est la bise. Ça va que t'as pas c'est le temps. Tu peux pas comme tu veux. Elle a mis la barre à fond? Non, elle a mis, en fait, elle a mis la même pression que toi. Tu peux pas battre. Et y a rien de mal, enfin, tu tournes pas le volant. C'est peut-être juste un poil trop de pression. Il y a rien de mal, il y a rien de mal. L'information, honnêtement. Tu vas devoir nous quitter, madame. C'est ma casquette. Pourquoi tu roules sur la dame? Un euro symbolique. Et ben non, on va mettre des chicanes un peu mieux avec des plots qu'on va défoncer. Je pense que toutes les 5 minutes. Non, mais moi, avec mes. Non, mais avec les ailerons là, qui sont devant 100%, j'ai normal. Mais t'as pas trop conscience de ton aileron de devant, tu vois. Tu mets une pression, la même pression que le groupe d'avant en fin de session, tu vois. Ouais, okay. Donc un peu tôt. Et après, direct, t'essayes un peu de contre-braquer, mais bah, c'est impossible, là, c'est une casse-là. Par sécu, ce que j'ai fait, je t'ai mis un poil plus de frein quand même sur l'avant. Okay. Je préfère que tu bloques l'avant, au pire, si ça doit bloquer, plutôt que l'arrière. Dans un premier temps et après. J'ai un petit. Je sais pas si c'est un souci, ma pédale de frein, elle bouge. Elle vibre? Ouais. Mais genre. Ouais. T'avais marqué New Brake Pad, non? Sur ton. Ouais, donc c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça va s'améliorer en roulant sur le grand circuit, je pense. Ok. Parce qu'elles sont pas rodées en fait, si tu veux. Donc faut qu'elles s'appairent disque plaquette. Donc c'est normal que ça vibre. Tu vois, tu mets avant-arrière, donc pression totale, tu mets 100 bars. Donc ça fait, je peux te dire sur l'avant, je pense que ça fait 56 bars sur l'avant. C'est beaucoup, enfin c'est beaucoup, c'est un frein. Si tu veux, ce week-end par exemple, les jeunes ils mettaient cette pression-là en bout de ligne droite, ouais, en qualif. Ouais, mais du coup la dame elle nous dit d'y aller à fond. Ouais, ouais, mais donc, peut-être un... Là c'était un poil tôt, je suis d'accord, ouais, mais... Ok. Ouais, t'as besoin de bloquer quoi. Arrêtez de la filmer, trois caméras braquées sur elle. Putain, c'est un truc de ouf ça. Comment tu veux qu'elle relativise? Non mais sérieux, trois caméras braquées. Je suis l'RP. C'est moi qui gère. T'es dans un RP ou t'es... Non, je suis le RP de Relation Press. Press Relation. RP. Ouais, ouais, d'ouf. On monte ou quoi? Allez, viens. Bonjour, Jim Pla. Pilote Toyota de cette saison 2023. Tu sais qu'on est en mode circuit là, hein? Tu penses? Parce que moi m'a dit que c'était que le groupe 1. Ah oui? On va faire quoi alors? Relégué. Ah, il s'est passé quoi tout à l'heure? Bah, je suis resté appuyé sur le frein, mais j'ai bloqué. J'ai t'as bloqué les roues? Bon, c'est rien. Ah, quand même. T'es sorti? Ouais, j'étais pas trop loin du mur. Aïe. Ouais, c'est rien. C'est la vie, hein. C'est officiel, t'es pas seul. Il y a Squeezie qui vient de sortir. Oh, ah, il y a un roue. Il y a deux. Ouais. J'ai fait comme Squeezie, ouais. Bon, ouais, peut-être qu'on va se manger les. Ah, ouais, bon, d'accord. Pas avoir le circuit. Mais c'est un frustrant parce que une mini portion comme ça, t'as pas le temps d'être. Tu veux d'être? Non, 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 fais comme toi. Ah, t'as l'air ok, ouais. Moi, on est tous frustrés parce que
Bah, le goût de poisson, t'as pas le temps d'avoir. Bah, on est d'accord. L'effet. Escompté. Ah oui, là. Tu sais, t'as assez de vitesse. Et dans tous les cas, j'espère, parce que là, à mon avis, j'espère qu'il y a une ligne perdue au moins deux tours, parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Oui, bah ouais, c'est vrai qu'on du coup on l'a fait vite fait en bus, mais il s'est pas trop attardé dessus quoi. Bah, vu qu'on nous a expliqué que c'était en bout, je me suis pas. C'est pas qu'est-ce que ça, il y a un grand truc, c'est chiant, ça fait une espèce de B. Bon. Mais par contre, ils ont foutu des chicanes, donc ouais, il y a des flots et on n'arrivera pas à fond quoi. On va éviter les murs. Vas-y, à toutes. Ouais, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah oui, ça c'est pas mal. Ça. C'est plus chaud que vous, hein, quand vous êtes rentrés. Ouais, moi je fais un tour de décération déjà. Allez, il y en a un qui s'est mis dans le bac. C'est bon. Vous avez fait le grand circuit là ? Ouais. C'est vraiment lui là-bas, je l'aime pas. Le premier gauche là ? Non, quand tu reviens. Ah, le long. La toupie. Bon bah c'est bien. Bonne sensation, pas de frayeur. Ouais, je vous crée un peu confiance là, sur l'appui et tout. Ok. T'as roulé de plus en plus vite, t'as mis du rythme au fur et à mesure et tout. T'as senti le gap sur les freins. Ouais. Le tout dernier virage, je suis pas savant. Ouais. On lâche un. Enfin, je freine là. À droite. Et après là. Et après, j'accélère. Bon, bah nickel tout ça, bravo. Tip top. Oui. Il fait chaud de ouf. Ça, c'est parce que tu n'auras pas chaud. C'est vrai? Si t'allais plus vite, t'aurais un peu plus d'air. Ouais, on est pour F1 non plus. Ah bah ouh. Et ouais, bah ouais, il y a eu plusieurs phases, mais trop marrant. Ouais. Mais en fait, c'est un peu le kiff de découvrir un nouveau circuit et de comprendre à chaque fois, tu te dis pourquoi je freinais là, j'ai pas plus de vitesse avec. Et tu captes, et tu te dis putain. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. T'as kiffé? Ouais. En fait, mon problème, c'est que moi, j'ai pas eu le droit autour du show. Je sais là où elle est. Ouais, c'est trop cool. J'aime trop ça. T'as pu tester tout? Ouais, mais je suis pas. T'as pas eu peur, ça va? Non, en fait, non. Au début, c'était ouais, t'as peur, tu vois, je suis. Non, je connais pas le circuit. Je sais pas où elle est, les gars. Genre, est-ce que ça te rend compte? Au début, mais j'étais pas Donc, l'exercice de freinage, c'était intéressant. Quand même beaucoup de choses. Chose que j'ai vue, c'est que pour l'instant, vous freinez pas. Vous n'utilisez pas du tout la pédale de frein. Tout le monde ? Alors, Anna, sauf pendant ton tête à queue, mais bon, ça, c'était histoire de répartition. Tu vois que t'impactes la pédale, vraiment violent, quoi. Et je veux voir aussi demain de la décélération de vos voitures. Parce que donc le pic de frein, c'est une chose, mais si on relâche les freins tout de suite, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment l'idée de voir votre voiture, mais s'arrêter, regarder exactement où je passe. Ok ?
Donc ça, ça va être demain matin, les 4-5 premiers tours, on repart sous leading car sur le grand circuit. Donc l'idée, c'est trajectoire et freinage. C'est les deux points, de toute façon, les plus importants, mais là, qui ne sont pas acquis pour l'instant, il faut continuer de les bosser à fond. Okay. Donc reprenez vos books, si vous les avez encore, relisez-les, notamment pour les trajectoires, ça va vous permettre de vous remettre dans le bain. Et demain matin, du coup, on attaque sur 3 séries le matin, une série l'après-midi. Si vous avez des vidéos, regardez-les aussi, on vous en avait envoyé. Normalement, vous avez dû en recevoir, donc reprenez les vidéos. Regardez bien ce que font les pilotes. Merci beaucoup. Ça va, vous. Parfait, merci. Bah, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Apprends bien de monter sur les vibreurs, puis demain, tu fais pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, pour résumer, on est... On s'est pas freiné, on s'est pas prendre des frages. Bon, les amis, fin de première journée à Nogaro. Un petit peu, enfin pas compliqué, mais je suis pas très contente de moi. On a fait un premier exercice de freinage au milieu de ligne droite et j'ai voulu faire un gros dégressif et j'ai tanké les freins très fort. Du coup, j'ai fait un gros spin. Bon, la voiture va bien et tout, j'ai pas touché, j'ai pas cassé. Mais du coup, ça m'a fait faire genre une grosse perte de confiance en moi. Et du coup, sur la session d'après, on a fait tout le circuit. Bah, j'étais un petit peu en dessous. Mais j'ai bien calé mes métrages et tout. Donc, ça devrait aller mieux demain. Il y aura peut-être de la pluie. Donc, bon, on verra. T'inquiète. Donc voilà, demain on a je crois 4 séances de roulage, j'espère que ça ira mieux, je vais me poser un peu ce soir pour revoir un petit peu les trages, les petites notes que je m'étais mises et tout après le simu et reprendre confiance un petit peu parce que là du coup tout allait bien, genre mes trages elles sont quasi nickel mais il faut prendre plus de vitesse dans les virages et ressortir plus vite mais ça c'est la confiance qu'on a pris un petit coup mais ça va aller. Ça va être cool. Le circuit est hyper cool. Un peu, enfin pas dangereux, mais très joueur. Mais il est très très cool. Donc ça devrait faire une bonne session. Ouais. Beau team, hein. On fait là dans la voiture, ça va être trop bien. Oh. C'est chaud ? Non. Non, là c'est froid. Mais là ils sont répartis, je suis proche par avec le groupe 2. Non. Si. Ouais, parce que sinon il y a un groupe qui est ah ouais. Ils sont 7 et l'autre ils sont 11. Bah, Pierre ou je sais pas qui m'a dit. Donc, du coup, j'avais pas confirmation. Ça me dérange pas. En fait, j'avoue que c'est le groupe 1, en fait, on est 12. Ouais, c'est mieux que le groupe 2, ils sont 6. Mais c'est normal. Ouais, on est bien en 2 là, on est tranquille, tu vois. Qui t'a dit ça? Pierre. Même pas le Pierre, je sais rien. Vous voulez pas dans le siège? Peut-être se mettre en tenue. Il est rabat-joie, il est rabat-joie. Hein? T'as dit quoi? J'ai cru que je faisais genre. Ah, j'ai dit que t'es rabat-joie. Je suis rabat-joie. Il se chie un peu dessus, donc du coup, il est un peu en mode. Tu vois. Ouh, il fait froid. Question sur tout ça. T'es ma coéquipière ou. J'essaie de te remettre dedans là. Tu fais un tout droit dans un mur, frère. J'ai plus rien à perdre. Pas Groupin? Groupin, ouais. Je crois que tu me faisais ça. J'étais en mode bonjour. Ce qu'on arrive à faire, c'est être efficace. Dans la matinée pour qu'on fasse toutes les séries, on a déjà un peu de retard. Donc idéalement, il faudrait vraiment que chaque groupe soit prêt à rouler dès que en fait on donne le top. Donc restez quand même dans les parages pour vraiment qu'on puisse optimiser le roulage sur le set. Voilà pour l'instant. Et que après, normalement si tout va bien, on l'enlève. Vraiment les conditions sont idéales. Par contre vos pneus sont froids là de ce matin. Donc pareil, 2-3 tours, et reprendre la température. Vous bloquez pas. Et passez pas la séance dans la boîte de vitesse d'un autre parce que vous n'allez pas progresser à votre rythme. Donc si jamais la personne devant vous ne vous a pas vu, vous relâchez ou alors vous passez par les stands, c'est possible aussi. L'entrée des stands, attention, vous avez vu, hein, elle est tout de suite à gauche après le dernier virage. Donc faites pas au dernier moment le move de partir dans les stands si jamais il y a quelqu'un qui est en train de vous dépasser aussi. Okay. Donc faites gaffe si jamais vous rentrez au stand en pleine séance. Faites attention à ça. Là, on est en plein cœur de l'usine, c'est ici que tout se passe. Yeah.
Je lui ai fait la glissade la plus mignonne du monde. C'était bien. En fait, j'étais là-bas, en sortie de virage. Je crois que j'ai roulé dans la flaque parce que je l'ai vu là. Et j'ai fait... Oh. Et après, j'étais sur le vibreur et sur la terre, mais je n'arrivais pas à repartir. C'est la vie, hein. Ah non, moi j'étais carré, je l'ai laissé passer. On était pas là, je te jure. On était là, ah moi j'étais Kino, voie de gauche 70. Ah ouais, j'ai voulu mettre le jeu. Ah non, voie de gauche 70. Question, pourquoi il passe pas? Allez, passe. Mais oui, en plus je le vois, c'est enculé. Je le laisse passer. Il me doit, je vais arrêter ça, le fils de malin, ça m'a saoulé. Bon, après j'ai fait 400 mètres. Moi je suis sûr qu'on dirait mais c'est certain. T'as fait du drift sur cette pique. Là il s'en va faire un. Ouais. Demain c'est ce que je fais. Il fait un stage. Demain je fais un stage. Drift sur. Bah mec c'est parti. Donc là je reviens. Non tu peux prendre assez facilement même sans être. Ouais mais vous êtes habitué. Toi t'as vu. La pluie là. Mais normalement je suis bon et j'étais hyper serein. La merde. J'ai gardé comme jamais. Mais parce que vous avez l'habitude de faire des conneries avec des bagnoles que dans ce genre de conditions non? Mais là je sais pas, moi j'ai pas réussi à me tourner pas quand il pleut. J'ai pas réussi. Ok. Pareil, c'est pas cool. J'allais vraiment tout doux. Petite détail. Je tournais, j'ai l'impression que ma caisse elle tourne. Carrément, moi je me suis dit ma direction est normale. J'espère que vous allez bien, fin de ce deuxième épisode de training pour le GP Explorer. Donc comme vous avez pu remarquer, on était à Nogaro pour découvrir un peu les circuits de cette année et aussi au niveau de la logistique de la F4 qui du coup était à Nogaro pour les Coupes de Pâques et on n'a pas comme ça besoin de leur faire faire des allers-retours au moins, etc. Donc du coup on était à Nogaro, ce qui nous a fait aussi essayer d'autres circuits, d'autres conditions. On a pu rouler sous la pluie, on a pu tester différents freinages, etc. Donc pour l'apprentissage c'était top. Le petit ressenti d'après ces sessions là, on est vendredi, je suis rentrée mercredi. Alors je suis pas déçue mais je suis un peu genre sur ma faim quoi, c'est à dire que bah, du coup le premier jour avec la sortie j'ai totalement perdu confiance en moi, en la voiture. Donc la session d'après j'ai essayé de reprendre mes bases mais vraiment j'ai pas du tout touché mes limites quoi. Alors je sais très bien que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et le lendemain, au final, on a push. Enfin, j'ai vraiment joué avec mes limites. J'ai testé de faire mes freins le plus tard possible. J'ai vraiment voulu essayer beaucoup de choses. Mais au final, on a eu juste le matin, puisque l'après-midi, comme il pleuvait, on ne pouvait pas rouler comme on pouvait le faire au maximum de nos capacités, quoi. Donc un petit peu, un peu sur ma faim, un peu... Pas déçu parce que... Enfin si, un peu déçu parce que je suis persuadée que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais d'un côté, on peut toujours faire mieux. Mais là, du coup, je suis contente. La prochaine session arrive assez vite. Je vais vraiment essayer de rester focus dedans et tout. Et je pense aussi que le fait que j'avais déjà roulé à Nogaro, je pense que je suis arrivée un peu trop en confiance en fait. En mode, je connais le circuit, patati patata. Alors que c'était totalement différent. Déjà, c'était il y a un an et demi, c'était pas les mêmes voitures, c'était pas les mêmes conditions... Il n'y avait pas autant de trafic, enfin, on est quand même beaucoup en piste. Donc voilà, et je pense aussi que je me mets énormément de pression. Ça c'est clair, par rapport à beaucoup de choses. En fait, le fait de bosser dans le sport auto, j'ai l'impression de devoir prouver plus de choses que quelqu'un d'autre qui participe mais qui n'est pas dans les sports auto, quoi. J'ai l'impression que si je me chie, en gros, ça va chier aussi sur ma légitimité dans mon travail, dans ma vie, quoi. Donc ça m'embête un peu. Alors que non, en fait, ça n'a rien à voir le fait que je peux faire de la com sur les circuits, faire de la création de contenu, mais c'est pas pour ça que je suis pilote, quoi. Donc je pense que je me mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules. Mais d'un côté, je me dis que si je ne me mets pas de pression, personne ne va me la mettre. Bizarre comme phrase.
Donc je pense que c'est pas non plus mauvais de se mettre de la pression un peu, mais peut-être être un peu moins dur avec moi-même, quoi. Et le truc qui est hyper chiant aussi, et qui m'a un peu fait vriller mardi, c'est que en fait, quand je me sors, ça provoque un drapeau rouge, donc ça empêche les autres de rouler, ça les empêche de progresser, ça en fait, ça nique la session de tout le monde, quoi. Donc même si tout le monde a été hyper mignon avec moi et tout, genre moi ça me fait trop chier d'impacter leur session, leur temps de roulage et leur progression. Donc voilà, mais là j'ai trop hâte du prochain training, j'ai trop hâte, ça va être un circuit que je connais pas du tout. De toute façon je peux le vous dire parce que l'annonce aura pas été faite, ce vlog sera pas sorti, donc le prochain circuit ce sera le Val de Vienne. Ça risque d'être assez fou, je sais qu'il est un peu piégeux, donc j'ai trop hâte d'y aller. Ça va arriver vite, là en vrai on y va dans 10 jours, 15 jours à peu près un peu moins, ouais 10 jours. Donc trop hâte. Mais ouais, donc ça c'est pour la conduite. Après pour tout ce qui est ambiance et tout, par contre c'est trop bien, c'est vraiment colonie de vacances. J'aime trop, il y a une trop bonne ambiance entre nous, c'est trop cool. J'ai encore un peu ce truc de... Alors pas quand même, mais j'ai un peu ce truc de syndrome de l'imposteur. Parce que pour moi, genre, je suis un peu la petite du groupe dans le sens où on est sur des monuments, quoi. Et moi je suis la petite meuf qui va regarder le GT4 là. Donc j'ai un peu ce truc, mais ils me le font pas du tout ressentir, mais c'est moi dans ma tête encore une fois qui me met une pression pour rien du tout. Mais non, l'ambiance est trop cool, je suis trop contente et il y a des très belles choses qui vont arriver, ça va être fou, j'ai tellement hâte. En fait chaque petite étape de ce qu'on fait c'est juste fou, quoi. Donc voilà, trop hâte de la suite, trop hâte de repartir. Je me dis qu'on a déjà fait 2 sessions d'entraînement. Ça va super vite, le temps passe à une vitesse folle. Je pense qu'on va arriver tellement vite à la course. Donc là, il faut redoubler d'efforts, redoubler de concentration et tout donner, quoi. Faut pas faire tout ça pour rien. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce deuxième vlog vous aura plu. Du coup, on va partir comme ça, un vlog par... Enfin, une vidéo par session d'entraînement. Je vais essayer de caler ça... Une par mois, je pense, peut-être un peu plus, à voir, pour essayer de bien alterner et tout. J'espère que ces vidéos vous plaisent et que vous pouvez voir plein de choses qui sont cool. C'est vraiment de partager ça avec vous parce que pour le coup, vous êtes une communauté qui est normalement des fervents de sport auto. Donc, c'est des choses qui vous intéressent au-delà du fait que ce soit un événement incroyable. Je sais que l'aspect technique, l'aspect voiture, l'aspect mécanique, c'est quelque chose qui va vous plaire de ouf. L'aspect compétition automobile, donc j'espère vous faire vivre ça au mieux, c'est vraiment l'objectif, et puis me garder aussi des beaux souvenirs. Donc écoutez, on se voit pour la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour la session numéro 3 de training pour le GP Explorer 2. Bisous tout le monde.